Press start to play. Fight 4. Bonsoir à tous et à toutes, ici et bienvenue sur Geekstitcher pour un nouvel épisode de ce let's play de Ark, le clan des Deimos. On est toujours dans l'arène de Katen, on a cette fois-ci en tant que binôme Garg et Tajana. On est là pour entraîner, le but est d'atteindre le niveau 20, au minimum le niveau 20 à Tajana. Et le but pour Garg pour l'instant c'est d'atteindre le niveau 20 parce que tout le monde l'a dépassé. Il se fait dépasser par deux personnes, c'est bien. Là voilà, le but c'est au moins d'arriver jusqu'au level 20, et bien sûr, comme j'ai dit, dès que le binôme meurt, on change d'endroit. Mais ça veut dire que dès que le binôme meurt, on continuera l'histoire. Mais disons, on va faire la prochaine arène. Mon calcul était bon. Ou je change moi-même de... Non, je déconne. Non, mais après, je sais pas si... Je crois que j'ai pas vu d'autres arènes. Peut-être le lieu là où on doit aller, peut-être qu'il y aura une arène à faire. Je n'en sais rien. S'il y a une arène, on le fait. Prenez ça. En espérant qu'on pourrait être plus de 2 sur le terrain, parce que ça fait un peu difficile. Allons-y. Nombre d'ennemis. Deux héros contre 15 ennemis. Pas question. Ça fait mal. Ah. Contre elle, elle s'est contrée. Non. Tous les pokés, c'est plus tout l'heure. On va prendre des jeux, quoi. Vous me défiez ? On regarde, mais on ne touche pas. Allez. Allons-y ! Pas beaucoup pour l'expérience là, mais c'est normal, les ennemis étaient assez faibles. Mais bon, espérons que pour le dernier round de ce premier circuit, on va arriver à avoir au moins un ennemi de taille peut-être. C'est le dernier round, il me semble. Ouais. Round 5. Bah non. Défoncer rapidement. Voilà. Trop lent. Allez. Mon calcul était bon. On regarde, mais on ne touche pas. J'ai compris. On ne touche pas. On peut quand même mater. Mon calcul était bon. Allez. Et je vais éliminer les coups, je sais. C'est pas drôle. Allons-y. Ah, à mort. C'est tout ce qu'on peut faire. Allons-y. Et j'ai contré. Et je l'ai tué. Lui s'est occupé de tout un côté d'ennemi. Attends, non, moi je sais pas. Attends, Jana, elle a pas encore éliminé un seul. Oh, parfait. Mon calcul était bon. On regarde et on touche. Ah, excuse-moi. Justice l'emportera. Prenez ça. T'es pas. À mort. À passer à l'action. Oh. Mon calcul était bon. Voilà, je suis de retour.
tout ça en moins de 4 minutes, c'est pas mal. Bon, pas beaucoup, toujours pas beaucoup de points d'expérience, mais j'espère que ça va augmenter avec le deuxième circuit. Au moins, encore une fois, pour Tatjana. Alors là, par contre, si je termine pas le circuit à la fin du temps de la vidéo, c'est pas grave, j'arrête rien. Et on reprendra la prochaine fois, on recommencera le circuit entier. Tant pis, c'est. Voilà. Là, c'est parce que j'ai pas envie de trop traîner derrière. Encore une fois. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, c'est surtout ça. Bon, après, vu comme c'est parti, soit on va galérer, soit on va réussir. Et j'y crois pas trop à la réussite. Je crois pas à la réussite facile pour le deuxième circuit. Mais par contre, ouais, je pourrais pas réussir. Mais voilà. Que le combat commence. Que le mortel combat commence. Ah non, c'est lui. Compétence, alors du coup, pareil, on va faire comme tout à l'heure. On va faire ceci. Faut pas utiliser vie ni. Je sais pas comment on appelle. Allez, le 20-30-40, ça serait bien. Hound. Le 20-34, ça serait bien qu'elle dépasse. Le 20-35, allez, 5 niveaux de plus. 6. Putain, c'est dommage que là, je sais pas. Allons-y! Je sais pas cibler pas mal de monde. Qui ose me défier? Vous me défiez? Ex-général du Dizwend. Mon calcul était bon. Patient. Mon calcul était bon. Mon calcul était bon. Vous ne pouvez faire mieux. Ah punaise, j'ai passé là-bas. Attends, par contre, il faut que j'arrive à éliminer directement. C'est là. Tel est le pouvoir de la science. Hi-ya! Mes talents sont sans limite. Level 20, PV 8, attaque 2, présence 1. Défense et esquive 1 et maintenance 2 pour la vitesse et le portée 0. Oh. Pas question. Mon calcul était bon. Trop lent. C'est un peu la merde. Là. C'est un peu le Wizard parce qu'on est en train de faire un. Après, ils me font pas mal. Donc, quoi crâner? Mon calcul était bon. Allez, on va essayer de les avoir comme ça. Allons-y! Oh, 118. J'arrive même pas à faire. Mon calcul était bon. J'avoue que là j'ai un coup de barre qui commence à arriver parce qu'il fait chaud. Il fait assez chaud chez moi. Et j'avoue que là j'ai un coup de barre qui arrive. Trop lent. Et je me dis surtout quand est-ce qu'on termine ça. Parce que ça fait long qu'elle s'est fait, je crois. Plus de 10 vidéos où on est là-dessus. C'est vrai que c'est très long hein, pour un jeu. Trop lent. On en est à la fin, La justice l'emportera. Allons-y. Allez, là, tac. Voilà. Plus vite j'ai miné celui-là, plus vite je peux aller aider quand même derrière. Oh, c'est... Pas question. Mais non, mais l'autre il vient vers moi. On regarde, mais on ne touche pas. 70.
faire les allers-retours. Oh non! J'ai abaissé ma garde. Ha! Oh, force, on est tombé. Ravalez votre fierté! Ok, maintenant on peut soigner là. 973 1532. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, il a passé level 30. Là, il est level 30, l'autre level 20. Je commence vraiment fatigué parce que je barfouille et tout quand même. Ah non, il est pas level 30 encore. Ah, il va passer vite. Il va passer level 30. Compétence, du coup. Médecine. Voilà. Ça, tout le monde soigne. Round 2. Fight! Bon, ça va, c'est pas difficile, ça. La justice l'emportera! Ah putain. Big, c'est des grands experts en esquive. Désolé, j'ai bugué. Vous aimez ça? Pas question. La twill. Oh. Oh. Mon calcul était. La twill, ça va être. On regarde, mais on ne touche pas. C'est pas vrai. Allons-y. Prenez garde à moi. 20-30, plus 5 en PV, plus 2 en attaque. Plus 1 en défense et 2 en maintenance. 1 en présence et esquive et 0 en vitesse et pas en portée. Qui ose me défier? Ah, je vais je suis assez fatigué en ce moment. Je sais pas pourquoi, je peux le savoir. On regarde, mais on ne touche pas. Pas question. C'est pas possible. On regarde, mais on ne touche pas. Pas question. Regarde, mais on ne touche pas. Ça commence à puer lourd aussi là. J'en peux presque plus. Merci quand même, toi, Nickel. Ah, c'est pas la science. Je peux soigner pas mal de monde aussi comme ça. Comme nous. Correct. Ça fait une soigneuse de plus. C'est quasiment une soigneuse de plus. Merci. On regarde, mais on ne touche pas. Mon calcul était bon. Allez. On regarde, mais on ne touche pas. Oh là, mon calcul était bon. Mon calcul est. Vous ne pouvez pas gagner. Bon, je rejette. Regardez ça! On va peut-être éliminer d'un temps. Voilà. Ça, c'est bon. Prenez ça! On regarde, mais on ne touche pas. On regarde, mais on ne touche pas. Mon calcul était bon. Ah, il va rentrer. À mort. Bien, calme. Qui ose me défier? La peur est votre ennemi. Laissez-vous
J'avais un collègue qui faisait ça quand il avait son œil. Soit en conduisant. Un cheval a fait attention quand vous conduisez. Si vous êtes plusieurs, ne conduisez pas en état de fatigue, bien entendu. Hein. Prenez monsieur le volant, quelqu'un d'autre. Et vu que moi je pouvais pas conduire, j'avais pas le permis. À ce moment-là, c'était lui qui conduisait. Bon, on faisait 30 km. Hein. Donc c'est pas plus. C'est vrai que le soir, on est en train, on était bien fatigué à cause de la formation. Et des fois, donc pour pouvoir éviter de s'endormir, parce qu'il s'endormait vraiment, pour éviter de s'endormir, il s'arrêtait. On sortait de son véhicule, il allait ouvrir son coffre, boire de l'eau, et ça l'a réveillé. Moi, c'est ce que j'essayais de faire depuis tout à l'heure, et ça m'endort encore plus. Après, c'est que c'est le café qui réveille. Alors, hier, j'ai bu 3 cafés, et j'ai pas réussi à rester éveillé. Et j'étais, mais fracasse. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose d'extra. J'ai envie de dire, parce que j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait une naissance de kiné le matin, j'étais déjà mort à ce moment-là. L'après-midi, je suis allé pour une assoce. Mais ça m'a encore plus fatigué. Je suis rentré chez moi, j'avais l'impression, je vous jure, j'avais les bras, j'avais l'impression que j'avais fait une séance de renfort. Tellement j'étais claqué, et j'étais mort. J'ai tenu le live qu'on a fait, que j'ai fait, mais j'étais mort. Pour vous expliquer, hier c'était pour vous dire à quel moment c'était. C'était le 7ème live, je ne me trompe pas, le 7ème épisode de Let's Play de Dragon Ball Z Kakarot. J'étais mort, et bon, je fais live. J'avais l'impression que j'avais deux chambres de points sous les bras. Moi, si j'avais fait du sport pendant toute la journée, tellement j'étais claqué. Et comme si j'avais travaillé dans un centre de loisirs et que j'avais fait 10 heures de travail. J'étais dans le même état, j'étais fracassé. J'ai rien grandi de la journée, quasiment pas. Je n'ose pas trop marcher pour l'instant avec ma patoile. Et moi, je me fous. Pas question. C'est pas possible. Allons-y. Mon micro et mon mirage. J'étais vraiment mort. Mais là, aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours tout va bien. Il y a des jours où tu es prêt à ça. Mais après, il y a aussi le fait qu'il y a aussi la chaleur qui joue dans. Moi, je me lève tous les jours à 7h. C'est vrai que je me couche tard. Je suis pas une couche tôt de base. Ça, j'ai jamais eu de truc où je me couche tôt, enfin, à part que je suis. Prenez ça! Mais depuis l'adolescence, voire la vie, j'ai jamais de la vie. Mais même pendant mon temps de travail. Hypothèse peu engageante. Quand je travaillais, c'était maximum minuit et demi. J'étais couché. Vraiment, le maximum. Vous pouvez faire mieux. Parce que je me levais le lendemain comme à 6h30. 6h, c'est rien. Mais au moins, c'est 5h de sommeil. C'est mon minimum, 5 ans, ça. T'as filé, je sais pas. Bon. Prenez ça! À mort! Bah, si vous voulez, chaque soir, je me couche entre les 1h et 1h30. Et allez, je me lève, je dois me réveiller. Alors, quand j'ai le kiné le matin, c'est 7h30, je suis réveillé. Parce que le temps de me préparer, pour l'instant, j'ai encore l'ambulance à partir de la prochaine fois. Dès que j'aurai plus l'ambiance, par contre, c'est pas pareil. Ça fait mal! Vraiment. La justice l'emportera! Faut que je puisse déjeuner à 8h. Ça fait, je pars en patte pour aller sur le pied. Là, c'est l'ambulance qui va me chercher, donc il va me chercher entre 8h40 et 8h50. Ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, c'était une dinguerie totale ce matin. Parce que dans ma tête, je savais plus si j'avais encore l'ambulance. Je savais plus, j'étais totalement paumé. Et le problème, c'est que l'ambulance, elle arrivait pas. Parce que des fois, elles vont arriver avec une demi-heure d'avance. Donc, des fois, je suis obligé de traîner. De me traîner moi. Trop en avance. Chez le kiné, parce que la justice l'emporte. Là, ce matin, j'étais prêt. Je vois le temps qu'il est fini. Pas d'ambulance. Et dans ma tête, je savais plus si c'était le dernier jour, quand est-ce que c'était le dernier jour, à quel moment ça s'arrêtait. Mais j'étais complètement paumé. Mais complètement. Du coup, j'ai appelé la structure d'ambulance. Je raconte ma vie un peu en attendant qu'on fasse un peu. Du coup, mon calcul était bon.
qui m'explique non, mais en fait, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous verrez quand c'est pas terminé. Donc, il n'y a pas de soucis, en fait, ce que j'avais à comprendre. Et en fait, il me fait comprendre qu'en fait, il y a eu beaucoup de transports à faire aujourd'hui, qui aura du retard. Ah, je me suis dit, attends, il y a du retard, c'est pas un problème. Moi, c'était juste pour savoir si c'était pas. Oh. Est-ce que c'était le dernier jour, en fait, si c'était pas aujourd'hui, ou la veille, ou la séance. Oui, ou la veille, du coup. Parce que c'est ni moi, ni même l'ambulancier ne savait. Pas question. Bon, vous ne pouvez pas gagner. Non, en fait, il était pas encore arrivé au bureau. Je suis désolé, j'ai appelé votre patron parce que je savais pas si c'était le dernier jour, quand est-ce que c'était, ni quoi que ce soit. En fait, j'ai plus peur d'être en retard chez le kiné qu'autre chose en fait. Et du coup, quand tu m'as dit en fait, non, c'est pas encore le dernier jour, mais on est en retard parce qu'on a un retard par rapport au transport, là je comprends mieux. Voilà, c'est pas de leur faute, attention. C'est tout. Après, franchement, tout ce qui est ambulancier, tout ce qui est ambulancier, enfin, les médecins, les hôpitaux, je leur tire mon chapeau parce que ça ne font pas un travail, facile. Et surtout les ambulanciers parce qu'ils ont des horaires quand même à respecter, parce qu'il y a des heures de sortie. Enfin, on doit être à telle heure pour notre séance de kiné, donc ils vont nous chercher bien sûr en avance pour qu'on puisse être un petit peu en avance chez le kiné. Et ensuite, le kiné va donner une fourchette de minutes, par exemple 60 minutes, ce qui est. Pour ma part, chez mon kiné, c'est très rare. Et là, actuellement, je l'ai fait. Mais d'habitude, je les dépasse. Mais pas parce que c'est ma faute, hein. C'est tout simplement parce que parce qu'il y a du monde. Voilà. C'est parce qu'il y a énormément de monde. Donc, tant mieux pour le kiné, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi, quand j'allais avant de me faire opérer. Déjà, j'arrivais un peu en retard, j'arrivais avec 5-10 minutes de retard. C'était vraiment le maximum. J'avais 5-10 minutes de retard, mais bon, ça posait pas de problème derrière, parce que c'était quand même. On était encore dans mon heure de truc. Mais pour le coup, je finissais 1h20 plus tard. Le plus long, et pourtant, j'avais que 4 exercices à faire. Après, le plus long, c'était le vélo. Ça a toujours été le plus long. Mais voilà. Et là en plus aujourd'hui, alors j'étais en retard chez le kiné, du coup j'avais un peu. Mais j'étais pas en retard, j'étais pas non plus en avance. Ouais, je me dis, bon, c'est 1 heure, bon, allez, on a jusqu'à telle heure, jusqu'à 10h pour faire tous les exercices. En plus, il me rajoute un nouvel exercice. Je vais faire en plus des autres. Votre fin. D'accord, sur le temps que le kiné, c'est bon. Après, non. Et à la fin, on a ce qu'on appelle des électrodes pour le muscle. Niveau 21 pour Tatjana, c'est plus 7 en PV, plus 2 en attaque avec la présence et la défense, plus 3 maintenant, c'est plus une en portée et 0 en vitesse à l'esquive. De toute façon, c'est pas ce qu'on demande. Donc, je demande juste qu'elle augmente les niveaux. Allons-y! Non, et en plus, pendant qu'il me met les électrodes, pendant que j'ai les électrodes, j'ai l'ambulance qui m'appelle pour me dire qu'il sera en retard. Et moi, quand je me suis appelé, c'est l'ambulance, elle est là, elle m'attend un peu. Et tout d'un côté, je commence à picoter, je me dis putain, je râle parce qu'il était en retard ce matin. Et là, c'est moi qui suis pas en avance pour le coup. Et puis, non, en fait, je viens juste de déposer mes clients et j'arrive d'ici, en grosso modo, c'était d'ici une quinzaine, voire une vingtaine de minutes, le temps qu'il y a. Bah, ok, pas de problème. Mais je vous appellerai, mais je sais pas. Oui, bah, pas de soucis. On regarde, mais on touche pas. Du coup, à la base, la justice, les premières séances, c'était l'ambulance qui était en avance. Par rapport à moi, par rapport au kiné, c'était l'ambulance qui était en avance. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, mais après, il y a aussi le fait qu'on soit en train de faire un festival, donc il y a beaucoup de monde sur la. Vous ne pouvez faire mieux. Surtout dans la ville où je suis, il y a énormément de monde. Pas question. Il y a énormément de touristes. Bien essayé. Et environ compris aussi. Et du coup au début c'était eux qui étaient en avance, donc du coup ils attendaient un petit peu. Mais c'est moi qui attends. Bon, après ça me pose pas problème de mal d'attendre. Oh. Je préfère attendre dehors que dedans, parce que dedans c'est vrai que je prends une place pour rien. Alors je peux attendre à l'extérieur tranquille. Je me cale contre qui ça. Qui ose me défier? Tout le barrière, je me cale et puis voilà. Vous me défiez? Mais bon, c'était une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Pas question. Ce que je voulais raconter. Hein. En attendant de blablater, de meubler un peu ce qui se passe, parce que voilà, c'est toujours les mêmes combats depuis quelques temps. Pour moi, ça fait l'équivalent d'une semaine, mais pour vous, ça fait beaucoup plus qu'une semaine, je pense.
Parce que je pourrais pas dire un l'équivalence en termes de vidéo, on va dire 3 vidéos par binôme. J'ai fait Karg avec Delma, Delma avec Maru. Attends, Karg avec Paulette. Paulette avec Maru, Maru avec Gantz, Gantz avec Tadjana. J'ai fait 5 binômes. 15 vidéos dessus. Oh la vache, ça fait long 15 vidéos. Je sais pas si je fais 15 vidéos, j'exagère peut-être. Mais ça fait pas mal déjà. Ah ouais, on est déjà à 25 minutes. Et je pense que le. Vous ne pouvez pas gagner. On va le finir. On le finira une prochaine fois. C'est-à-dire qu'on commence encore une vidéo avec. Avec ce bidon. Prends ça. Mon calcul était bon. On regarde, mais on ne touche pas. Pas question! Ouais, moi je mets pas à côté du baiser. Le baiser, je laisse pour Dark. Putain! Je vais pas retenir, je... Ne vous sacrifiez pas, bêtement! Ouais, je vais pas y retenir. Je pense qu'on va gagner un peu quand même. Même si c'est le deuxième circuit, on va gagner. Parce que. Et que Karn, pour l'instant, il fait des grosses attaques. Et est-ce que Tatana, elle fait des. Elle fait des... À passer à l'action. Ha! Allez, pas assez de points de tir. Pas question! Allons-y! À mort! Oh, ça c'est fait. Vous n'avez aucune chance. 2394, c'est celui qui prend encore plus pour l'expérience. Mais qui l'augmente, qui dépasse Paulette, qui dépasse Maru, surtout Maru, je veux qu'il dépasse. Je veux qu'il dépasse Maru en termes de niveau. Ça va être très compliqué, je pense. Parce qu'on parle très loin. Niveau 30, allez, bientôt niveau 31. Alors, du coup... Ah, oh, réanimation, ramène à la vie un personnage. Ah, ça c'est pas mal, ça. Ça c'est pas mal. Ok, donc on a deux... D'accord, on a vraiment deux soigneurs, mais totalement différents. Ok. Pas assez de... Ah, merde, pas assez de pierre d'esprit. Mais du coup, on va mettre... Allez, toi. Magie, énergie vitale. Ouais. Ouais, c'est lui qui a... Ouais, c'est lui qui a résurrection. À 5 déjà. Ah, il en reste plus que 10. C'est ça, genre, mais bon, non, c'est pas. Non, mais après, on va pas continuer parce que ça va faire trop long derrière. À mort! Pire, si on doit recommencer, on recommencera, ça ferait un niveau supplémentaire à. Mon calcul était bon. Peut-être même que la Tatana va dépasser 40 du coup aussi. Dépasser 50. Je sais pas. Trop lent! On regarde, mais on ne touche pas. Pas question! Non, pas parce que j'ai pas mis. On regarde, mais on ne touche pas. Prenez ça! À mort! Oh, 68, ça fait mal ça. On regarde, mais on ne touche pas. Merde, du coup, j'ai pas de, assez de points. Attends, non, mais là, je fais n'importe quoi avec les... depuis le début, en fait. Ah ouais, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Putain, non, la genre... Il se l'emportera. Je fais n'importe quoi.
C'est bon, de toute façon j'ai résurrection avec lui dans un truc là. Mais ouais, j'ai fait n'importe quoi. Faut pas que je la seule. Je suis en train de réaliser. Je crois que je fais n'importe quoi depuis le début, faut pas que je la seule. On regarde, mais on ne touche pas. En plus, je n'ai plus de. Plein d'esprit avec elle. Hypothèse peu engageante. Donc, si mon calcul de... était bon. Parce que là, j'ai Kang. J'ai Kang qui peut ramener à la vie tout le monde. Il compte aussi, donc c'est pas mal de choses. Ouais. Ça va? Ah, en fait, faut que je reste quoi d'accord. Faites attention à vous. Prenez un coup à moi! 31 niveaux. Présence, portée, esquive 0, vitesse 1, défense et maintenance 3, attaque 2, PV 6. Qui ose me défier? Après, il fait pas mal de contre, hein, c'est bien. Allons-y! Okay. Hypothèse non engageante. Attends, on va se passer là. La justice l'emporte pas! Ouais, là c'est pas mal vraiment. Prenez ça! Ouais, il devrait plus avoir de problème. Vous me défiez? Vous n'avez aucune chance. Vous me défiez? Allez, plus qu'un coup et c'est bon. Ouf. Pas de quoi. Ce mec, c'est bon car il fait des contre à tout va. Il est génial ce mec. 251. Par contre, Tadjana il en manque pas beaucoup. Mais car il en manque bien. Au contraire, ça me plaît. Ça me plaît, je veux qu'il continue à augmenter encore. Allez, je pense qu'on va faire un petit dernier combat et après on va s'arrêter là. Et dans tous les cas, on reprendra au deuxième circuit. Ah ouais, par contre, j'ai plus de vie. Par contre, c'est un peu la déchante en vie. Et ouais, je pense que l'erreur que j'ai fait depuis le début, surtout avec Tadjana, c'est de séparer en fait. Non, il faut pas que je sépare, il faut que je reste côte à côte. Je pense que c'est mieux. Je vois que ça. Pour ma part, je pense que c'est le mieux. C'est qu'on reste proche. Surtout que si jamais il y a un problème, je peux ou la soigner ou la réanimer. Bon, peut-être plus maintenant parce que j'ai presque plus de trucs. Comment osez-vous? Allons-y! S'approche. Tout le monde se rapproche. On regarde, mais on ne touche pas. La justice l'emportera. Là. On va éliminer l'aide d'abord. Ainsi, on est pressé de mourir. Et là, je vais voir si je peux faire les deux. C'est tout. Par contre, là.
J'ai le pouvoir dans l'épée. Ça y est, enfin. Regardez ça. Faites-moi confiance, car... C'est une forte attaque, ça. Normal. Bon, 52 quand même sur ta jamais, je viens de voir. Je dis ça va, mais j'avais pas vu que tu avais marqué 52 à la base. Mais on ne touche pas. La justice l'emportera. Ne vous sacrifiez pas bêtement. Vous ne pouvez pas gagner. Prenez ça. À mort. Prenez ça. Là. Ah, ça va. Mon calcul est bon. Trop lent. Vous ne pouvez pas gagner. Je vais pas utiliser sur FM, mais peut-être sur lui là. Ça va. Faites attention à vous. Ha! Voilà. Qui ose me défier? Ah, je sais pas. Mon calcul était bon. Mon calcul était bon. Alors, on va se mettre là. À mort! Voilà. Vous n'avez aucune chance. Elle est le pouvoir de la science. Allez. Le petit dernier. Pas question. Vous ne pouvez pas gagner. À mort. Ça suffit. Tel est le pouvoir de science. Ha. Vous ne pouvez pas gagner. C'est ça. Et voilà. On va s'arrêter là pour les combats. Allez, gagne une classe supplémentaire. On va s'arrêter là. On reprendra bien sûr dans la prochaine vidéo. On continuera bien sûr les combats. On commencera le début du second. Le second circuit, c'est pas grave. Hein. Mais là je peux pas continuer. On est à 2 minutes de vidéo. C'est impossible. Non. Revenez quand vous voulez. Pour vous mettre à l'épreuve. Oh, on t'a fait l'attaque. Laisse nous voir ça. Je sais pas ce que c'est l'effet d'attaque, on va aller voir. C'est pas ça. Objet de groupe, effet d'attaque, c'est quoi? Au moins, temporairement, la contre-attaque. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Objet de groupe, on va augmenter la maître de l'esprit. Il faut la fumée, je sais pas. Mais alors à une vitesse phénoménale. Bon, on avance doucement vers la fin de ces combats d'arène de Katen. On est le dernier minimum pour l'instant. Alors les niveaux n'ont pas trop changé, hein, à part Tajana qui a monté là, 4 niveaux, 3 niveaux, et pareil pour Kang, il a pris 3 niveaux, sinon le reste ça ne bouge pas. Va-t-il dépasser Paulette et Maru dans les prochains combats? Ça, on le saura. Ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. C'est 40, cool. Je croyais que c'était 80. On va aller racheter des pierres d'esprit parce qu'on en a plus. Enfin, là, s'il nous en reste, mais c'est pas la tâche. Nous avons.
tous des tous les objets. Tiens. Allez, faire les esprits. Ouais, il en faut 300. 330. 344. Il y en a 13 675, comme par hasard. Allez, 634, 640, ça fait 668 pièces d'or. Voilà. Allez, on va aller se regarder parce que voilà, ça fait quand même combien de temps qu'on va pas se regarder. Quand même augmenter un petit peu le niveau avec l'arme, donc ça fait un peu plaisir d'aller se regarder en attendant. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon anecdote du jour, du coup, vous aura plu quand même, parce que voilà, c'était pour un petit peu meubler le temps qui passe. Dans tous les cas, si vous avez adoré le contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à regarder tous les autres contenus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très rapidement sur YouTube, sur Geek City pour les aventures. C'était G pour Geek City. À la prochaine. Ciao, ciao.